Morgan, allez, Yidan et Tisra, aujourd'hui le Nishmat Rav Mordechai, Ben Yitzhak, Vefeni Dvora, Bat Esther, Moshe, Maurice, Moshe, Ben Sultana, et Moshe Michael, Ben Bachla Rachel. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle, nous allons essayer de vous montrer. Contactez Zain Mishnah Aleph. Aisha, Shalach, Ba'ala, Betzaratal, Imdinat, Ayamo, Ba'ou, Vamroula, Met, Ba'alich, Lotinase, Lotit Yabem. Ad, Sheteda, Shema, Mouberet, Hi, Tzarata. Aitala, Hamot, Ena, Hosheshet. Yatstam Elea Hosheshet. Rabbi Yoshua Omer Eina Hosheshet. Je traduis directement la situation. On parle d'une femme, Aisha Shalach Baala Vetzarata Lemdinat Ayam. Avait Reuven, qui était marié à deux femmes. Une qui s'appelait Rachel, une qui s'appelait Léa. Il est parti à l'étranger avec Rachel. Ok. Maintenant, il est parti à l'étranger avec Rachel. Et ce qui se passe, c'est qu'après, Ubaou Vamroula Met Baalich. On vient, on lui dit, son mari, il est mort. Alors, quelle est la problématique? C'est simple, en théorie, quand on vient, on lui dit que son mari il est mort, un témoin, il est cru, c'est vrai. Mais le problème, c'est peut-être qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec Rachel. Peut-être qu'il a eu un enfant et qu'après il est mort. Peut-être qu'il y a un Yavam. Pour le moment, en théorie, il n'y a pas de Yavam. Ou bien, imaginez qu'il reste encore un frère qui est là. Imaginez que, par exemple, Reuven, il a un deuxième frère, il s'appelait Shimon, il est là maintenant. On vient, on raconte que Reuven, il est mort. Alors, en théorie, Rachel, elle aurait pu faire le hiboum avec Shimon. Mais le problème, c'est que peut-être que la deuxième femme de Reuven qui était avec lui là-bas, Léa, peut-être qu'elle a eu un enfant. Et si elle a un enfant, il n'y a plus de misa de hiboum. Alors vous allez me dire quoi? Alors qu'elle a eu avec quelqu'un d'autre, mais peut-être qu'elle n'a pas eu d'enfant, donc il y a une misa de hiboum. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la Mishnah me dit, Lotinase velotitiabem. Elle ne pourra ni se marier avec un étranger, ni faire le hiboum avec son beau-frère. Acheteda, shema me uberet hi tsarata. Jusqu'à qu'elle sache que peut-être qu'elle là est enceinte, sa tsara, sa co-épouse, la deuxième femme de Reuven qui est avec lui, Léa. D'accord? C'est clair la situation? Je reprends. Reuven marie à Rachel et Léa. Il part avec Rachel à l'étranger. Maintenant, Reuven, il a laissé un frère Shimon ici. Au début, il avait pas d'enfant, Reuven, ni avec Rachel, ni avec Léa. Il est parti à l'étranger. On sait que Reuven, il est mort. Il y a eu un témoin qui est venu, il y a même eu deux témoins si vous voulez, ça change rien au problème, on est sûr qu'il est mort, mais on sait pas peut-être qu'il a eu un enfant avant. On ne sait pas ce qui s'est passé avec Léa. Alors là, la méchante italienne me dit, ben, on va craindre que peut-être qu'il a eu un enfant. Mais on n'est pas sûr qu'il a eu un enfant, donc peut-être qu'il n'a pas eu d'enfant. Donc dans notre cas, on fait, ben, on est bloqué. S'il a eu un enfant, elle peut se marier avec un étranger. S'il n'a pas eu d'enfant, elle peut pas se marier avec un étranger, mais elle peut se marier avec Shimon, faire le hiboum. On ne sait pas, ben c'est ni avec Shimon, ni avec un étranger, jusqu'à que l'on parvienne à éclaircir ce qui s'est passé avec Léa, est-ce qu'elle a eu un enfant ou pas. D'accord? Pour le moment, c'était simple. Maintenant, une situation assez ressemblante et qui va être différente pourtant. Aïtala Hamot. Imaginez maintenant que Reuven est parti à l'étranger, pas avec sa co-épouse, il avait une seule femme, c'était Rachel, il l'a laissée ici. Ah, entre parenthèses, une petite précision quand même. Il y a une insistance sur la Mishnah, juste, c'est un mot qui est précisé dans le Bartendor, il nous rapporte, dans le Tosot Yom Tov, et qu'on a expliqué que Rachel, elle devra nécessairement faire son éclaircissement pour voir ce qui s'est passé avec Léa. Shema me oberet hi tsarata, il y a un hi en trop. La Gemara, elle explique que ce mot-là, il vient m'apprendre quelque chose. Rachel doit se soucier que peut-être que Reuven a eu un enfant avec Léa. Mais elle n'a pas besoin de se soucier que peut-être que quand il était là-bas, il s'est marié encore avec une troisième femme. C'est-à-dire, ce que on prend les données qu'on a devant nous, et on nous dit, écoute, en théorie, elle est apte à faire le hiboum. Seulement, le rov des gens qui se marient avec une femme, en général, ils ont des enfants. Un garçon ou une fille, peu importe. Faites attention, j'ai dit un garçon ou une fille, c'est important par rapport à la suite de la Mishnah. Peut-être qu'il a eu un garçon, peut-être qu'il a eu une fille. En général, quelqu'un qui se marie, c'est sûr que vous le rencontrez 10 ans après, c'est sûr, quasiment sûr qu'elle a des enfants. Il y a malheureusement des gens qui n'ont pas d'enfants. Donc du coup, ils sont partis à l'étranger, ils sont partis pendant 2 ans, 3 ans, très probablement qu'ils ont un enfant. Nous, on n'en sait rien. La chazaka, elle était que pour le moment, elle doit faire le hiboum parce qu'il n'y avait pas d'enfant, mais peut-être qu'il y a eu un enfant. Donc on est dans le doute. Donc on va craindre qu'ils ont eu un enfant. Mais juste qu'un enfant avec Léa qui était avec Reuven. Mais on va pas craindre que peut-être qu'il a épousé encore une troisième femme quand elle est à l'étranger. Là, non. D'accord? Ensuite, on continue. Aïtala Hamot, quasiment la même situation, sauf qu'il n'est pas parti, Rohan, il n'est pas parti avec sa femme, sa deuxième femme, sa co-épouse, avec Léa. Il est parti avec sa mère, avec son beau-père, avec son père aussi.
Maintenant, son père et sa mère, ils étaient encore jeunes, d'accord? Comme ça, il n'y a pas, comme c'est pas à vous dire qu'ils étaient vieux. Ils avaient 40 ans, lui, il avait 20 ans. C'est encore 40 ans, on peut encore avoir des enfants. Maintenant, quoi? En théorie, alors on a la même, plus ou moins la même situation. Que quoi? Reuven, il est parti à l'étranger. Reuven, il n'a pas laissé de frère, il n'y a pas de frère ici. D'accord? Il y a juste. Ils ont eu un seul enfant pour le moment, c'est Reuven. Ils sont partis à l'étranger avec ses parents. Maintenant quoi? Ils sont partis, ils ont vécu 5 ans. Après 5 ans, on nous apprend que Reuven, il est mort. Rachel, elle ne sait pas quoi faire. On lui apprend que son mari, il est mort. Un témoin, deux témoins qui viennent, qui lui disent que son mari, il est mort. En théorie, qu'est-ce que vous allez dire? Elle peut se marier. Mais attendez, oh. Son père et sa mère, peut-être qu'ils ont eu un enfant. Et s'ils ont eu un enfant, il s'avère que maintenant, peut-être que c'était un garçon. Et si c'était un garçon, il a été... peut-être qu'il a eu un garçon. Et si c'est un garçon, alors dans ce cas-là, il y a un Yavam. Alors vous allez me dire, c'est un petit bébé. Ben, c'est pas grave. Peut-être qu'après, elle devra attendre 20 ans pour pouvoir faire le hiboum avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez compris la situation? Oui. Reuven, il se retrouve à l'étranger. Il y a sa mère et son père, ils sont encore jeunes, en pleine force de l'âge. Pendant, ils sont partis pendant 5 ans. Jusqu'à que Reuven, là, on apprend qu'il meurt. Et puis, finalement, peut-être que... mais non, Reuven, on sait qu'il est mort. On ne sait pas, peut-être qu'il a un petit frère. Eh bien, la Mishnah me dit quoi? Si elle avait une belle-mère, on ne craint pas que peut-être qu'elle a eu un enfant. Pourquoi? Bonne question. Dans la première partie de la Mishnah, tu me dis que quand il est parti avec la co-épouse, peut-être qu'il a eu un garçon. Peut-être qu'il a eu un enfant. Et là, tu me dis, peut-être qu'il n'a pas eu d'enfant. Là, tu crains pas qu'ils ont eu un enfant, je ne comprends pas. J'ai besoin de comprendre, là. J'ai besoin de faire une généralité. Est-ce qu'un couple, il est censé avoir des enfants ou pas? Là, dans la première partie de la Mishnah, tu me dis, ouais, quand il est parti avec sa femme, probablement qu'ils ont eu un enfant. Dans la deuxième partie de la Mishnah, tu me dis, quand son père, il est parti avec sa femme aussi, peut-être qu'ils ont eu un... On ne craint pas qu'ils ont peut-être eu un enfant. Pourquoi? Quelle est la différence? La réponse, elle est simple. Très simple, même. C'est que quand Reuven y part avec sa coépouse, si toutefois sa femme, avec la coépouse, si toutefois Léa, elle accouche, qu'elle accouche un garçon ou qu'elle accouche une fille, Rachel, elle peut plus faire le hiboum avec le yabam. D'accord? Parce qu'un garçon comme une fille, ça dispense. Donc maintenant, on va dire, écoute, la majorité des gens qui se marient, qui vivent ensemble au bout de 4, 5 ans, 6 ans, 8 ans, ils finissent par avoir un enfant. Toi, tu n'es pas capable de l'éclaircir, tu crains qu'il y ait peut-être eu un enfant. Mais quand c'est la belle-mère qui est partie, pour dire qu'il y a maintenant un Yavam, il faut deux choses. Il faut que la mère, elle soit tombée enceinte, c'est vrai, mais ensuite qu'elle tombe enceinte et qu'elle accouche un garçon. Parce que si elle accouche une fille, ben Rachel, elle pourra de toute façon se marier avec un étranger, parce qu'une fille, il n'y aura pas de mise à deux hiboum. Alors dans ce cas-là, faites le calcul de probabilité, il est très simple. Imaginez, 80% des couples ont des enfants, c'est vrai. Mais 80% ils ont des enfants, mais il n'y a que 40% qui ont des garçons. Donc ça fait que finalement, quelle est la probabilité qu'elle ait un Yavam qui est né? Elle est faible. Elle est peut-être de 40% par rapport à 60% qu'elle n'a pas de... 60% d'éventualité qu'elle n'a pas de mise à deux hiboum, parce que de deux choses une, peut-être que sa belle-mère n'a pas accouché. Et même si elle a accouché, peut-être qu'elle a accouché qu'elle a une fille. Pire que ça. Peut-être qu'elle a un garçon et qu'il est mort. Et qu'il n'y a de toute façon plus de Yavam. Ça aussi, ça a rentré dans la salade. Donc du coup, tout ça, ça vient affaiblir la probabilité qu'elle a peut-être un Yavam. Dans ce cas-là, on dit, écoute, la Chazaka, elle est que, pour nous, en l'état, tel que, si on prend en l'état, quand ils sont partis à l'étranger, dans la situation où ils étaient, il n'y avait pas d'enfant, et on apprend qu'il meurt, ben, elle reste sur la même Chazaka qu'il n'y a pas d'enfant, donc elle peut se marier avec un étranger. Ok? Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de beau-frère. Ok? Maintenant, Yatstam et Léa Choshechet. Si toutefois, par contre, la belle-mère, elle est partie, quand elle est partie, elle était enceinte. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a commencé à voir qu'elle commence à avoir un gros ventre. 5 mois, après ils sont partis à l'étranger. Après on n'a plus de nouvelles. Pendant 5 ans, jusqu'à qu'on reçoit un télégramme ou des témoins qui viennent qui disent que le mari, Reuven, il est mort. Maintenant, il est mort. Mais qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que la belle-mère, elle a accouché un garçon. Si un garçon, il y a un Yavam, donc après elle ne peut plus se marier avec un étranger. Peut-être qu'elle a accouché une fille. Peut-être qu'elle a accouché un garçon qui est mort. Peut-être que finalement, elle n'a même pas accouché, qu'elle a fait une fausse couche. Vous imaginez, en haute mer pendant 2 mois, peut-être qu'elle a eu la nausée, puis il est sorti par la bouche ou par ailleurs. D'accord? Peu importe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, rochechette. Il faudra craindre. Si jamais elle était enceinte, la belle-mère, quand elle est partie, on craint que peut-être qu'il y a eu, finalement, un beau-frère qui est né. Même si vous allez selon la statistique, c'est ce... d'ailleurs, je continue le Mishnah. Rabbi Yoshua Omer, et Rabbi Yoshua me dit, non, t'as pas besoin de craindre. Il n'y a pas besoin de craindre.
Parce que finalement, Rabbi Yoshua, lui, il va, comme on dit en hébreu, Rosh Bakir, il va strictement selon la truc. Écoute, la probabilité qu'il y ait un garçon, c'est 50-50. C'est vrai. Mais d'un côté, peut-être qu'il n'y a pas du tout eu d'enfant. Peut-être qu'il y a un enfant qui est mort. Alors, on n'en sait rien. Peut-être qu'elle a. Donc, peut-être qu'elle a fait une fausse couche. Peut-être qu'elle a couché un garçon qui est mort après. Peut-être que. Alors quoi, pour le moment, elle est en. La chazaka, elle est que pour le moment, en théorie, il n'y a pas de yavam. Donc, si son mari meurt, elle est censée être permise au chouk, à se marier avec un étranger. Ça veut dire que peut-être que finalement, elle a eu un yavam, sur la probabilité stricte. On est plus proche dans l'éventualité qu'elle n'a pas de yavam qui est là. D'accord? Sur ça, Khamim, en fait, ils sont cholkim sur ça, comme il explique que tout ce jour d'ov, parce qu'on ne craint pas qu'une personne meure. C'est une règle en général dans les chazakot. Et des fois oui, des fois non. Mais en général, on craint pas que quelqu'un soit mort. On avait évoqué le principe, d'ailleurs, dans l'émission précédente. Imaginez une Bat Israël qui est mariée à un Kohen. Son mari part à l'étranger, elle ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à manger la trauma? Ah, mais peut-être que son mari est mort. On ne craint pas qu'il est mort. C'est très fréquent en général, on ne craint pas que quelqu'un meure. On craint pas. Même si ça arrive, tout le monde, ça finit par arriver. Mais jusqu'à que ça arrive, Hanoun Velahoum, comme on dit chez nous. D'accord? Donc du coup, on ne sait pas ce que c'est arrivé ou c'est pas arrivé. Donc Rabbi Yoshua, il va selon Khamim, ils nous disent, écoute, on ne craint pas qu'il est mort, donc on ne craint pas qu'elle a une fausse couche, donc on reste encore à 50-50, pour ça que si elle sort, si elle part avec le ventre plein, là, on craint qu'elle a eu un enfant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.